Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hein. J'espère que vous allez bien. Il était important qu'on puisse faire ce direct. On doit revenir de temps en temps. Parce que vous devez comprendre que notre objectif aujourd'hui est de préparer psychologiquement la plupart des militants, des combattants, des sympathisants, tous ceux qui sont donnés pour cette lutte de libération pour le peuple camerounais. C'est très important. Parce que si nous ne continuons pas à sensibiliser, à informer, à conscientiser, je pense que les choses ne pourront pas se produire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il faut être naïf pour ne pas comprendre que notre résistance est beaucoup plus attaquée. Non pas seulement attaquée par ceux de nos adversaires, mais c'est qu'à l'intérieur, vous aviez des gens qui s'y masquent, qui sont à l'intérieur, mais qui font un travail dans le but d'isoler et de confiner Maurice Kamto et son mouvement. Donc il est important pour nous de parler, de dénoncer de telles attitudes, et ceux-là même qui viennent avec des techniques un peu plus subtiles pour qu'on les accepte, on les adopte, et après un certain temps, nous sortent de la chandelle. Mais déjà, je tiens à rappeler ici, je tiens à dire, des gens me posent souvent la question, pourquoi toi tu restes toujours optimiste et heureux? Ben, moi je veux leur dire juste que je choisis d'être heureux parce que c'est un art de résistance politique qui est adossé sur le couple sérénité et espérance. Voilà mes motivations. Donc, je suis serein et j'ai de l'espérance pour le combat que je mène. Et j'ajoute aussi que je ne suis pas dans la diction de la gloire ou bien de la recherche d'une quelconque richesse ou bien d'une quelconque visibilité. Moi, mon combat se situe pour la libération du peuple camerounais, qui est très important, parce qu'on ne peut pas rester indifférent lorsqu'on a vu plus de 27 millions de Camerounais en train de souffrir aujourd'hui, qui sont pris comme des clandestins dans leur propre pays et ont resté silencieux. Bon, pour nous, peut-être, nous avons eu cette chance de prendre les devants, mais moi, je le dis tout le temps, c'est une mission purement providentielle où la sélection naturelle a voulu que nous soyons devant pour apporter cette espérance. Il faut donc comprendre que nous n'avons pas besoin de compromettre, de trahir ce combat parce qu'il est noble, il est cher. Donc, c'est pour dire à ceux qui n'ont pas saisi les vertus de la patience dans ce combat que si vous êtes fatigué, vous descendez tranquillement et vous nous laissez combattre. Que de distiller la polémique, que de détruire ce qui nous est cher et de nous empêcher d'avancer dans ce combat qui est noble pour nous. C'est très important. C'est très, très important. Et parce que j'écoute des choses. Les gens m'amusent. Les gens me font rire. Les gens me font rire dans ce combat. Et il faut donc qu'on recadre certains. C'est qu'il faut dire, toute personne qui s'est engagée, je dis bien tout Camerounais, qui s'engage dans ce combat pour la libération du peuple camerounais, vous ne le faites pas parce que vous aidez le peuple Bamléké pour être, ou bien le peuple Bamléké d'avoir le pouvoir, ou bien un individu pour avoir le pouvoir. Sortez ça de votre tête. Tous ceux qui s'engagent, vous n'êtes pas là parce que vous voulez forcément donner le pouvoir à Maurice Kamto, qui lui est Bamléké. Je suis désolé. Ce type a un idéal moral. Il a un idéal pour lequel il poursuit sa lutte. Et personne ne l'a aidé à être ce qu'il est là aujourd'hui. C'est un parcours, c'est une cohérence. Oui, il y a des énergies qui l'ont accompagné pour faciliter cette tâche. Mais d'abord, il a fallu qu'il accepte individuellement ce combat d'affronter le régime démocraticiste de Yaoundé, qui n'est pas un régime dictatorial que nous connaissons de d'autres pays. Qui est un régime dangereux. Qui est un régime qui est prêt à tout. Disqualifier politiquement tous ses adversaires. Et on l'a vu. Depuis le règne de Paul Biya, on connaît quelles sont les manœuvres, les techniques qu'il utilise pour disqualifier automatiquement, scientifiquement, tous ses adversaires politiques. Il faut qu'on soit clair. Parce que ce combat aujourd'hui est devenu un combat de chantage. Certaines personnes se disent, appartenant à d'autres ethnies en dehors de l'ennemi Bamléké, que c'est un privilège de les avoir dans ce combat. Vous êtes des idiots. Vous êtes fous. Il n'y a pas de privilège. Ce combat, c'est le combat pour la libération du peuple camerounais.
Il ne s'agit pas d'un combat pour libérer le peuple Bamileke ou bien imposer un Bamileke à la tête du pays. Si c'est ça, tu peux dégager. Ce combat que nous menons, c'est un combat pour la libération du pays. Parce que les difficultés, les souffrances, le système de désolation permanente que nous rencontrons dans notre pays, c'est tous les Camerounais qui l'expérimentent. Surtout ceux du peuple de base. Tous nous rencontrons ces difficultés. Et personne ne peut utiliser ce dernier pour faire un chantage. Parce que j'ai dans l'impression qu'il y a des gens aujourd'hui qui font du chantage au MRC, à son leader, parce qu'ils appartiendraient à un autre ennemi en dehors de l'ennemi de Maurice Kamto. Vous êtes fous. Vous êtes des malades. Si vous faites ce combat pour le peuple Bamileke, je suis désolé, vous devez partir. Dégagez. Fichez-nous le camp. Dégagez. On fait ce combat parce que nous aimons notre pays et nous aimons les Camerounais. Aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup du respect. Je salue beaucoup qui, en dehors d'être Bamileke, sont très engagés dans ce combat. C'est important. Et ils sont légion. Ils sont légion. Moi, je tiens à vous rappeler que je suis allé en Suisse. Cette dame est devenue mère pour moi. Qui n'est pas Bamileke. Que j'aime bien. Et que d'ailleurs, je dis un bonsoir à elle et son mari. Mais elle n'a pas regardé que c'est les Bamileke qu'elle recevait chez elle. Elle a regardé en nous, elle a vu en nous des Camerounais et pris pour le changement dans leur pays. Et elle les a reçus. Et elle milite à sa manière, à sa façon, pour la libération de notre pays. Donc le premier indice, c'est pas qu'elle est éliminée parce qu'elle doit imposer Kamto comme président de la République. Arrêtez ça. Donc, il y a des gens qui utilisent cette posture de se dire que, ouais, on n'est pas même qu'il faut faire. Vous êtes des idiots. Vous êtes des malades. Vous croyez que vous pouvez nous faire le chantage avec cette histoire? Ne luttez pas, mouf. Ne soutenez pas, mouf. Partez. Ne luttez pas. Ne vous mobilisez pas. Vous croyez que le Cameroun nous appartient à nous seuls? C'est quoi cette histoire? Et ils amplifient. Ils sont pleins dans ce combat. J'entends d'autres dans l'organisation, le MRC. D'autres font du chantage politique. Donc on doit les cajoler. Écoutez, ton appartenance à une tribu n'est pas une immunité politique. Tu te comportes mal, on frappe. Aussi simple que ça. Tu te comportes mal, on frappe. C'est quoi cette histoire? Quels sont ces aventuriers, ces imposteurs? Il faut qu'on moralise la scène politique au Cameroun. C'est très important. Écoutez, si quelqu'un vient vers vous, il n'est pas assis sur des convictions, qu'il n'a pas le mérite, vous ne l'approchez pas parce qu'il appartient à une tribu. Il faut cesser ça. Il faut cesser ça. Regardez la jeune fille, la Tuisse. La Tuisse n'est pas Bamileke. Mais allez voir le travail qu'elle a là-bas pour le combat. J'ai du respect pour de tels personnages. J'ai de l'estime pour une telle fille. Allez voir le combat qu'elle a là-bas. Elle n'est pas Bamileke. Elle n'est pas la seule. Vous allez voir Maman Elisa. Il y a d'autres. En interne, Maman Salomé, beaucoup, il y a plusieurs, il y a son légion qui combattent parce qu'elles aiment le Cameroun d'abord. C'est pas une histoire. Bon, Vassero, là, quand nous allons le 18, là où on va se rencontrer, Vassero est Bamileke. Il est Bamileke. Pourquoi vous achetez les tickets? Pourquoi vous le soutenez? Pourquoi vous le soutenez? Non, pas parce qu'il a fait un choix. Par rapport à Maurice Kamto, non. C'est que Valtiero, même avant que Maurice Kamto ne se déclare président, être candidat à l'élection,
va sera toujours mener un combat d'eau pour la libération de notre pays. Maintenant, ça coïncide que nous sommes tous ensemble, dans le même bateau. C'est pour ça que nous le soutenons. Il ne fait pas de ça un chantage. Il n'est pas la fèche. Non. Il connaît quels sont les ennemis de notre République et il les combat. Donc même si vous lâchez tous, lui, Vassero va continuer son travail. Toi, tu es là. Tu viens nous faire le chantage. Comme si tu venais... Ouf, idiot. Si tu es là, tu croyais que nous, là, tu fais ça parce que tu veux donner le pouvoir. Mouf, dégage. Mouf, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. Regardez ces gens. Ils sont venus dans le combat. Et c'est pour ça que je nous parle. Il faut qu'on soit vigilant. Cessez de faire allégeance à des personnes dont vous ne connaissez pas leur personnalité. Il faut avoir un CV politique de tous ceux qui se présentent à vous avec des paroles mielleuses qui viennent vous flatter et vous tomber directement. Ils se présentent à vous comme des agneaux alors que ce sont des loups déguisés en agneaux. Des bandits. Des gens qui utilisent la connaissance, qui ont la connaissance pour anéantir notre combat, pour détruire notre combat. Au lieu d'avoir une connaissance qui doit nous aider à la survie de l'humanité, à la survie de notre peuple, ou bien à la santé de notre peuple. Mais ils utilisent la connaissance pour l'anéantissement de notre combat. Et vous voulez soutenir de telles personnes. Allez voir dans ce combat. Il y a un monsieur, un pasteur, ou bien c'est pasteur Mboma, ici, qui avait démissionné d'un parti, je ne sais pas, le parti de ces hommes, ces rentablants politiques. Qui est venu, qui avait des paroles mielleuses. La plupart, on l'a embrassé. Le jour, il a pris notre tangente parce qu'il était dans une optique de manipulation. Nous lui avons rappelé de manière brutale que ce n'est pas ça la logique de notre combat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné contre nous. C'est parce qu'il n'était pas assis sur des convictions. Mais il y avait des gens qui beaucoup l'avaient déjà démarqué. Plusieurs. Il a contribué à détruire le combat. Pasteur Mboma. Il a dit à un de nos cops que toi aussi tu peux être président. Le cops est aujourd'hui dans le passéisme. Il est nostalgique de ses espoirs d'hier. Il faut être sérieux dans ce combat. Il a réussi à fragiliser plusieurs. Oui, parce que les motivations des uns et des autres n'étaient pas des motivations sincères. Pourquoi les nous autres? Nous, ils nous flattaient. Quand Pasteur Mboma venait, quand on se tenait, oh Stéphane Thubo, le grand communicateur, journaliste, moi là, on ne flatte pas mon ego. Ouf. On ne me flatte pas. J'aime pas ça. J'aime pas trop les points là. On ne flatte pas. Et tout quand ce n'est pas sincère. Non, ne me flatte pas. Quand tu commences comme ça, nous, ça nous renseigne que en fait, tu as des objectifs. Quand tu commences par la flatterie, nous, on sait détecter ça. On sait détecter le mensonge et le bluff. Donc, quand tu commences comme ça, là, nous, on n'est pas d'accord de ces appréciations. On sait que ces appréciations-là ont des motivations malsaines. On te regarde, on se méfie de toi. Va dire ça à ceux qui ont d'autres motivations. C'est eux qui vont se détruire, comme plusieurs. Il ne faut pas blaguer. Ce qui me tue, c'est cette écrivaine que vous connaissez. Cette maman. Que j'ai bien du respect, c'est une écrivaine que je respectais beaucoup. Parce que là, aujourd'hui, je ne respecte plus. J'avais beaucoup d'estime. Marie Lissoc. Je ne sais sur quel point. Elle-même, elle était aussi dans le parti là. Le parti des Chemba.
Elle a démissionné jusqu'à demander pardon. Elle dit que non, maintenant elle avait. Comme si quand elle venait, ça vous donne un plus. Ou bien, les gens étaient d'accord. Mais allez écouter, allez lire cette femme aujourd'hui. Celle que beaucoup salmodiaient, elles étaient. Allez lire. Elle s'est renfermée dans une logique tribale. Allez, voilà, voilà les gens. Petite déception. Quand vous vous comportez mal, on vous dit vous faites mal, vous attaquez les autres, vous dites ils sont des talibans. Ils ont une violence verbale. Ils sont irrespectueux. C'est pas... Mouf! Mouf! Nous là, en tout cas ce qui me concerne, maintenant là, ça sera le grand frère de la violence. Même si tu as le certificat médical, ou bien sans certificat, nous on t'attaque. Tu veux, va mourir. Que soit mort, tu veux, mouf! On s'en fout. On s'en fout. La politique n'est pas la compassion. Je suis désolé. Ce n'est pas un rapport de compassion. Je suis désolé. C'est un rapport de force. Et c'est clair. Et dans ce rapport de force, nous avons l'objectif et l'obligation d'éliminer tous les ponts pilates et les traîtres. De les faire disparaître, éliminer politiquement. Je dis bien politiquement. Bah, on ne tue pas. On ne tue pas. De faire disparaître politiquement. Écoutez, si ce combat, vous vous plaisez à rester pendant 40 ans, vous êtes très en harmonie et en accord avec la situation catastrophique et apocalyptique de notre pays. Il y a d'autres qui sont fatigués, qui veulent voir les choses bouger. Et ce que nous avions posé comme diagnostic, c'est que en fait, les 40 ans de Paul Biya au pouvoir n'est pas la résultante de la maîtrise politique de la situation du Cameroun par Paul Biya. C'est pas un super manager. Mais ces 40 ans bénéficient du post-pilatisme et de l'imbécilité de notre opposition. D'autres vannent dans le combat. D'autres préfèrent laisser les Camerounais mourir pour satisfaire les réclamations stomacales qui ont juste une démarche individualiste, solitariste. S'en foutent du peuple qui souffre dans sa chair profonde. Et ça, nous n'allons plus permettre. C'est terminé. La génération d'hier, c'est plus la même génération d'aujourd'hui. Vous avez une génération d'hommes et de femmes conscients des enjeux et qui ont décidé de donner de leur vie, de leur âme, pour que les choses changent dans ce pays. On ne va pas blaguer avec n'importe qui. Tu es venu faire ton truc. Tu as ton business. Ça n'a pas marché. Tu t'en veux maintenant, Jean. Il faut utiliser des raccourcis. Instrumentaliser le deuil de quelqu'un pour dire nous sommes des responsables. Mouf, c'est pas le voir bébé. Et je le dis à tous les combattants, à tous ceux qui écoutent, ne permettez pas, ne plus jamais qu'on ne fasse plus de chantage. Quelqu'un se comporte mal, qu'il appartienne à n'importe quelle tribu, frappez. On n'est pas là pour blaguer. Frappez. Parce que nous ne faisons pas ça pour notre finalité. C'est pas de prendre le pouvoir. La finalité. Et quand vous voyez le projet de société, le fond politique, dans cette autre politique, ce qui ressort, c'est pas que je deviens président. Dans le fond politique de Maurice Kamto, c'est pas qu'il devient président. C'est pour la réalisation du bien-être des Camerounais. Donc si quelqu'un d'autre nous amène à cette réalisation-là, nous saluons. Mais il faut cesser. C'est quoi cette histoire? Des gens viennent nous faire le chantage. J'entends des choses. Des gens viennent nous faire le chantage. Ah, je vous soutiens, machin. Et ils sont très bandits. Très dangereux. Je me réjouis. Parce que ce matin, en fait, même pas ce matin, Justine Bokra, tu dis que je te tape souvent. Mais quand tu fais aussi le bon travail, j'ai l'obligation de te dire, c'est bon ma mère. Justine Boukam, elle a fait un post où elle dénonçait le comportement de Fridolin. Nous, ça fait ça. Vachero, il a posé des questionnements aujourd'hui.
Moi, dans un direct, il a fait un direct. Il a tenu un propos. Je ne sais pas si les gens avaient vu. J'ai lancé un post. J'ai dit la démarche. Je te respecte bien. Mais la démarche m'inquiète. Kenneth, il y a un dernier direct où il a fait. Oui, il disait qu'il était, en fait, que la prophétie de Oumiobé. Il disait que c'était lui. Kenneth. Donc, il disait là dans son direct que c'est ça. Que c'est lui des imposteurs. Et c'est comme ça qu'ils viennent. Et moi, j'ai des problèmes aujourd'hui. Parce qu'en fait, la situation de notre pays, personne ne s'est démarqué. Hein. Personne ne s'est démarqué de l'opposition depuis. Depuis, c'est le statu quo. Depuis, personne ne s'est démarqué. Nous avons la chance, un individu décide de se démarquer. C'est là où tu vois des zozos sortis de partout. C'est improvisé, qui veut aussi apporter la ténac. Non, c'est malhonnête. Vous étiez où hier pour engager ce combat qui était fait. Notre combat, il ne s'agit pas d'un leadership de l'opposition. C'est pas ça. C'est pas le leadership. Et ces gars ont une certaine subtilité. Faut vous méfier. Ils sont très forts. Et je vous dis, si vous ne connaissez pas ce régime, ils sont très forts. Ils sont capables de vous fabriquer quelqu'un qui a le même discours que vous. Mais il a des objectifs très clairs. La plupart, vous voyez de l'opposition camerounaise. La plupart, pourquoi nous les appelons des rentrants politiques? Parce que la plupart nous ont fait croire qu'ils luttaient pour l'avènement d'un idéal pour le Cameroun, pour le peuple. Mais plus les jours qui passent, plus nous réalisons que c'est des gens qui sont en complicité avec le régime de Paul Biya pour spolier le peuple camerounais. Dans le contexte actuel, nous avons déjà identifié un homme qui a de l'épaisseur pour les affronter. Le plus important, c'est de mutualiser nos forces pour l'accompagner. Il ne s'agit plus de s'improviser en tant que leader ou bien créer des partis politiques comme j'attends, Baptiste, Mapa, etc. Tout ça. Ça n'apportera rien au champ au lendemain du Cameroun. Je suis désolé. Aujourd'hui, qu'on ne le faut pas, je suis Camerounais. Bon, c'est parce que je suis Camerounais. Demande ça à quelqu'un d'autre qui n'est pas Camerounais. Que quel est le leader politique de l'opposition au Cameroun? Toutes les données, toutes les statistiques sur le plan international vous disent que c'est Maurice Kamto. Je n'ai pas seulement besoin de sortir ça. Le leadership est là. Pourquoi en fabriquer encore d'autres leaderships? Mais vous participez à l'exclusion, au confinement, à l'enfermement de ce leadership. Parce que vous voulez émerger. Vous étiez où hier? Vous étiez où quand le peuple était abandonné? Quand quelqu'un se réalise, se donne comme alternative, c'est là où vous sortez. Vous êtes dangereux. Et ils ont un langage. Ils n'arrivent pas à assumer les avancées que porte ce leader de l'opposition. Ils sont dans des pirouettes langagières. Ils tournent. De fois même, ils ont des techniques. On va leur poser la question. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Mais après, ils vont mettre. Mais qui annule toute première intervention, ou bien tout sentiment, ou bien ressenti qu'ils ont de la personne de Maurice Kamto. Après, ils disent qu'il faut ceci. On connaît cette technique de communication. Ils vont vous dire, oui, mais j'apprécie Kamto, oui, c'est un homme bien, machin, tu. Après, mais conjonction de coordination. Qui vient annuler les premiers propos et qui introduisent. Après, mais il faut, hein, il faut. Pour embrouiller les Camerounais. C'est ça, c'est leur démarche. Aujourd'hui, ce qu'ils ont trouvé bon de faire, c'est d'accompagner à l'isolement de Maurice Kamto, le confiner. Pour que finalement les gens s'en rendent compte que c'est un parti régionaliste. C'est un parti qui appartient au peuple bamiléké. Je bloque d'abord.
a-t-il tout bloqué depuis? Vous voyez? Et ceux qui sont à l'intérieur autour, parce qu'ils ne sont pas, c'est pas tous, hein. Il y a d'autres qui n'appartiennent pas à la tribu de Maurice Kamto, mais qui travaillent, qui sont dévoués à cet homme. Quand on pense à les Bougounsa, on est content, on est fier. Les Mamadou Mota, nous sommes fiers qu'il y ait encore des hommes de référence. Ils sont plusieurs. Mais tu as d'autres à l'intérieur. Ils sont en train de faire, de chercher. Vous voyez, les autres sont en train de partir. Moi, je vais partir. Moi, je vais quitter. Ça ne me donne pas tel poste. Ça ne me nomme pas. Ça ne me donne pas ceci. Mouf, tu es là-bas pour nous. Vous faites l'erreur. Si vous empruntez un chemin qui ne cadre pas avec le chemin de notre naissance, en vous, avec le chemin de notre idéal, on vous fracasse sur les réseaux sociaux. Nous vous lapidons. Aussi simple que ça. Avec certificat médical ou sans certificat médical, on vous fracasse. Il faut cesser avec ce chantage. Vous n'êtes pas là pour le peuple américain. Vous n'êtes pas là pour aider Kamto à être président ou bien pour le peuple américain à être président. C'est quoi ça? Ça prouve combien de fois vous n'aimez pas ce peuple. Ça prouve combien de fois vous n'aimez pas les Camerounais. Et quand vous le faites, vous ignorez un truc. Vous oubliez qu'en le faisant, si le Cameroun bascule, parce que ça va basculer, je suis très optimiste par rapport à ça. Si ça bascule, vous aurez donné l'héroïsme politique au peuple bamiléen. Vous voyez ça? Si vous, donc, vous tombez dans le piège de ces gens, même pas dans le piège, si votre motivation là impure, infeste, vous laissez prospérer cela. Lorsque la libération de ce pays sera acquise, vous allez inaugurer sans le vouloir l'héroïsme du peuple bamiléen. Tu attends ça. Comment les idiots comme ça? Des gens qui nous font croire que la situation du Cameroun les fait mal. Après, derrière, ils nous font le chantage. On t'a dit que tu es là-bas parce que tu venais. Tu es venu. Donc, tu es là parce que tu veux. Mouf! Qui t'a dit que tu es là parce que le peuple bamiléen veut forcément le pouvoir? C'est pour ça que j'ai du respect. Pour ceux-là, tous ceux-là qui sont convaincus, qui militent, qui travaillent pour le changement dans ce pays. Parce qu'ils le font pour l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Niek. Ok. Un niek. Dès que je trouve ça, cet individu-là, je le bloque direct. Donc il faut cesser ça. Il faut cesser. Et ils sont plusieurs. Vous étiez où? Quand on cherchait un leader, vous étiez où? Aussi vrai. Au Cameroun comme dans la diaspora. Je vois des petits tintins s'improviser. La leader décentralisée, etc. Et tout. Allez voir les bêtises que vous êtes en train de commettre. Et c'est le MRC qui doit gérer vos incompétences par après. Vous étiez où? Vous profitez de la lumière d'un individu pour exister. Dès que vous avez un peu de lumière, vous voulez combattre ce qui a été pour nous un moteur pour mettre la pression à ce régime. Vous êtes des dangereux, des malhonnêtes. Vous êtes un danger pour notre révolution. Tu attends ça? Des petites gens comme ça. Après, on va dire que Stéphane. Vous êtes malade. On doit laisser prospérer l'imposture dans notre révolution. Au nom de quoi? Qui mouf? Ils sont quoi? La lutte est structurée. Elle est ordonnée. Elle est organisée. Tant que nous n'aurions pas l'organisation de notre lutte, nous n'aurions pas atteint. Et le pire, nous avons souvent été ralentis. Pas à cause de la force ou bien de la maîtrise de ceux de nos adversaires. Mais à cause des manquements que certains nous imposent expressement. Et je suis convaincu qu'il y a des connivences.
Et ça, vous nous dites de rester silencieux, de se taire face à de tels comportements qui aboutissent la plupart de nos compatriotes. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas s'amuser. Nous sommes tellement conscients de la situation de nos pays que nous avons été sevrés pendant plus de 20 ans d'un véritable opposant à M. Poilievre. La sélection naturelle nous a permis d'avoir un homme qui a su travailler son droit politique, qui est le seul qui arrive à donner de l'espoir et l'espérance au peuple camerounais. Vous utilisez des techniques pour le détruire. On ne va pas vous laisser. Et tous ces gens, ils utilisent les forces mortifères. Ils utilisent des forces mortifères pour détruire, pour empêcher notre révolution d'avancer. Quelles sont ces forces? L'aigreur, la jalousie, le tribalisme, le vandalisme, le banditisme, l'escroquerie, le chantage. Mais ces forces mortifères ne pourront prospérer face à notre détermination. Quelqu'un s'amuse, il faut le lapider. Il ne faut pas blaguer. Et ils utilisent des techniques. Il faut détecter. Direct. Moi-même qui vous parle. Le jour où mon langage change, il faut me lapider. C'est clair. C'est le combat. Et je vais encaisser. Si je suis sincère, je vais demander de présenter les excuses de manière sincère. Mais tellement que nous sommes saisis par la cohérence, que quand nous voulons dire des choses, ou bien poser des actes, nous réfléchissons par mille fois. Parce que le peuple nous regarde et nous observe. Nous suscitons beaucoup d'intérêt. C'est pour ça qu'on ne peut pas blaguer. Appelle-moi, tu me proposes quelque chose. Tu auras ta dose. Cache. Tu me connais. Tu m'appelles. Que tu as meilleur qu'un faveur, machin. Tu me connais. Tu me connais. Hein? Oh ma vie. Nous là. On refuse des choses. On refuse des choses. Tu entends ça? Je me marie pas avec toi. Je suis une personne. Je suis. Ouf. Ouf. Mon combat, mes chers. Même si tu t'appelles madame ma chérie, on pisse dessus, on passe, on t'abandonne. Nous te combattons, nous votons de l'or. Tu entends ça? Tu blagues. Nous là, on sait sur quoi nous accrochons. Oui? Tu blagues. Peut-être que tu ne nous connais pas. Même si tu es madame ma chérie, quand ça ne cadre plus avec notre combat qui nous est cher, que ça doit nous amener dans une incohérence dans nos choix, on botte ça. On dit le mariage est terminé. C'est fini. Même si tu as une personnalité, mouf, c'est que. Mes cops comprennent ce que je dis. Avec beaucoup de cordes. Parce qu'on est fiers de nous. Parce que nous savons, en tant que jeunes, nous avons un boulevard d'avenir sur le plan politique. On ne peut pas céder à n'importe quoi. Nous savons comment nous nous projetons. C'est très important. Un combat aussi important, aussi sérieux, doit nous amener à faire des sacrifices. Nous devons souvent nous abandonner et nous perdre. Donc, peuple,
que personne ne vienne vous enlever cette fierté, ce combat pour la libération du peuple camerounais. Si tu crois que ce combat est en train d'être ralenti, tu te trompes. C'est un combat qui avance et de manière sereine. Reste juste convaincu. J'ai vu des gens qui moussaillèrent. Aujourd'hui, beaucoup sont disqualifiés. Ils ont disparu de la scène. C'est ça. Et la nature va sélectionner. Il faut ça. Il faut ça. Merci, Lili, quand tu bois un peu d'eau. Merci. Je bois. Merci. Non, pas laver les tripes. C'est pour ça. Tu entends ça? Ils sont découragés. Parce qu'il y a beaucoup qui venaient là. Bon, 2 millions, on aura. Non, on va avoir le pouvoir, tout ça. Ils avaient des calculs. Quand ça, Dieu ne comprenne pas. Nous, on est contents. Parce que nous, c'était notre prière. On disait toujours que la sélection naturelle fasse son travail. C'est très beau pour être vrai. Il y a des mauvaises graines. Nous devons les enlever parmi nous. Parce que pour aller à la réalisation de ce Cameroun nouveau, nous avons besoin des hommes déterminés, sérieux et chargés de conviction. On va parler avec n'importe qui. Et je suis content que le temps est en train de faire son travail. Montre aux yeux de tous qui est qui. Le temps tranche. Il y a des choses qu'on ne l'aurait pas dit. Mais le temps, le seul juge, tranche et disqualifie, fait disparaître plusieurs de la scène. Un jour, vous sauriez de pourquoi. Parce que les motivations étaient autres. Donc, cessez de vous accrocher au discours des gens qui ne représentent rien, qui viennent vous flatter. Alors que lorsque vous avez leur CV politique, c'est des gens qui n'ont jamais lutté contre cette dictature. Un jour, c'est vent, à cause d'une frustration, parce que le gombo s'est mal partagé, parce qu'on ne les a pas nommés, décident de faire du chantage au régime en place et Adé, finalement, il faut se méfier. Il faut se méfier de telles personnes. Parce que le jour au lendemain, le jour où ils auront la satisfaction de leurs réclamations, de leurs besoins, ils vont vous lâcher et de manière brutale. Vous aurez honte. Nous avons fabriqué plusieurs dans ce combat. Il faut que ça cesse. Ça cesse. Ces gens que nous avons fabriqués aujourd'hui nous combattent. Parce que lorsqu'ils ont utilisé notre tangent, lorsqu'ils ont emprunté un autre chemin, un autre quoi, nous les avons interpellés. C'est les mêmes qui nous accusent de tous les maux. Or, je ne vois pas un seul instant. On peut tout dire. Des talibans viennent de la meute. On peut tous les inciter. On peut tout dire. Mais je vous dis, tout ce que ceux des talibans, je ne vais pas dédouaner complètement, mais la majorité de ce que les talibans font, ils sont dans la riposte. Ils sont beaucoup plus attaqués. Ils sont beaucoup plus. Je n'ai pas encore vu un taliban aller affronter ou bien inventer une histoire contre eux. La plupart, nous sommes dans la riposte. C'est parce qu'on nous attaque. Les gens nous diffament. Les gens nous dénigrent. Les gens nous insultent. Mais ils ne voient pas ça. Mais lorsque nous décidons de répliquer, de riposter, c'est les premiers à venir pleurer. Donc prochainement, vous allez nous subir. On va pas vous tolérer. Faut être sans pitié. Je n'arrive pas à comprendre que des gens qui se disent lutter pour le Cameroun sont aujourd'hui en train de faire le chantage, comme s'ils accompagnaient une tribu. Il faut cesser ça. Quand vous identifiez un tel individu parmi vous, il faut le classer. Il faut l'excommunier de votre milieu. C'est très important. On n'a pas besoin de fonctionner avec des graines pourries comme ça. Il faut les écarter. Et ça, il n'y a pas à discuter. Qu'ils aillent faire des acrobaties, parce que la plupart ont des motivations, c'est des purs tribalistes.
Je dis bien des purs tribalistes. Les mêmes. Donc, c'était ça. Ma sortie d'aujourd'hui. Du peuple. Il ne faut pas blaguer. Il faut savoir que ce que nous avons de chair, nous devons protéger. Il faut dénoncer toutes ces histoires, ces gens. Méfiez-vous. Le Camerounais nous a exposé. Le Cameroun, là, comme vous voyez, le régime, là, nous a servi beaucoup de Ponce Pilate. Beaucoup. Qui viennent, ils font sembler, ils vous cajolent, etc. Et vous voyez que de plus en plus, nous interpellons, nous inquiétons de la posture de ce philosophe. Qui, de plus en plus, nous confirme qu'il est dans une démarche pas très claire. Il faut se méfier. Nul ne peut inventer une autre méthode pour libérer le Cameroun. Personne. Vous le voulez ou pas, nous avons un leadership aujourd'hui accompli. Et personne ne peut le déboulonner. Je suis désolé. Actuellement, la personne ne peut le déboulonner. Maintenant, si nous sommes épris du changement pour ce pays, si nous aimons les Camerounais, tout ce que nous devons faire, c'est apporter de notre part pour la réalisation de cet idéal. Le reste viendra après. Maintenant, ceux qui veulent discuter de postes ou bien machin, lorsque nous allons créer dans des conditions qui permettront qu'il y ait des élections démocratiques libres et transparentes dans ce pays, alors quiconque pourra se présenter. S'il a l'approbation du peuple, il sera validé. Donc il faut surpasser cela. Il faut aller à un autre niveau. Mais si vous restez être cristallisé sur la question du tribalisme, ça ne va pas avancer. Et vous allez nous avoir sur votre chemin. Parce qu'on ne fait pas le chantage avec ça. L'appartenance à un ennemi de n'importe qui ne vous donne pas l'unité politique. Vous faites une bêtise, nous vous lapidons. Ici, aussi simple que ça. Le plus important, c'est comment on travaille pour mettre en difficulté cette dictature. Et ce que nous faisons depuis 2018, ils sont en difficulté. Ces gens, ces mécréants-là, ne peuvent plus se comporter n'importe comment au Cameroun. Tous, même les protégés. Qui pouvait imaginer hier qu'il y a certaines personnalités là, non? Du bon journaliste sportif. Qui pouvait imaginer que plusieurs devaient subir des humiliations terribles? C'est à cause de la pression de notre combat, notre mouvement. C'est le rapport de force que nous avons imposé. Qui aurait cru que Paul Biya, pour se déplacer, va négocier, verser beaucoup de milliards à certains pays pour qu'il soit présent dans un territoire européen? Qui aurait cru? Mais c'est la force et la détermination de notre combat. Qui aurait cru qu'un ministre ne peut plus se permettre de venir se balader dans toute l'Europe ou bien aux États-Unis. Même quand ils viennent, ils sont obligés de se cacher. Avant, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, c'est possible à cause de ce combat. Allez voir le scandale financier dans ce pays chaque jour. Tous ont peur, ils sont en train de trembler. C'est pour ça que nous confirmons la thèse selon laquelle il y aura implosion au sein de ce régime. Même s'ils mettent des blocages pour nous empêcher. Il y aura implosion à l'intérieur. Nous sommes convaincus de ça. Et ça boue. Chaque jour, ça boue. Si vous n'êtes pas conscient de ça, je suis désolé. Aujourd'hui, ils utilisent les armes des faibles. Parce que tout cela, c'est une bande de faibles coalisés. Que ce soit ce soi-disant de l'opposition avec le régime en place, c'est les faibles coalisés qui utilisent la notion de culpabilité pour nous culpabiliser sur certaines notions. Vous aviez vu, lorsqu'on a eu le deuil de Christian Pédécoca, vous avez une bande de faibles coalisés qui instrumentalisent, qui utilisent la notion de culpabilité. Mais quand tu vois le faible utiliser la culpabilité opposée à quelqu'un d'autre, sache que l'autre est fort. Tu attends ça. Qui a-tu dit que le combat n'avance pas? Ouf! Tu vois une bande de faibles coalisés qui utilisent la notion de culpabilité pour nous rendre responsables du décès, hein, d'un de nos alliés. Mais la démarche est claire.
La démarche est de neutraliser le fort. C'est parce qu'ils reconnaissent en nous que nous sommes forts. Maintenant, il faut nous neutraliser. C'est pour ça qu'ils vont, le faible, lui, va utiliser la notion de culpabilité. Et vous aviez vu que ça a été amplifié par ceux qui se disaient hier être les proches, ceux de la proximité. Et je me pose des questions jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment on peut mener un combat à voix à proximité de soi? Toute une bande de RDPC. Tous. Aujourd'hui, le RDPC a inféodé ce mouvement. Tous. Tes proches collaborateurs, c'était des membres du RDPC. Ils n'ont jamais, et les gens ne changent pas comme ça. Ils n'ont jamais démissionné. Et le deuil, ton deuil, a montré la face du monde. Quel était le vrai travail qu'ils abattaient autour de toi? Ils n'ont jamais travaillé pour que ça avance. Mais ils ont travaillé pour leur boss. Et regarde comment ils ont humilié ton décès. Ils t'ont transporté impuissamment à l'abattoir. Après avoir fait le travail, ils invitent le diable au dîner. Ils t'humilient, ils humilient ton cadavre à cause des choix de la proximité. On ne peut pas faire le combat avec un tel dualisme, je suis désolé. Je suis désolé. Un tel dualisme, je suis désolé. Soit on est ensemble, soit on se sépare. Regardez comment ils ont humilié. Regardez comment ils ont rendu. Regardez. Peut-être ça ne vous dit pas, ça ne vous parle pas. Parce que d'autres sont restés dans l'émotion, etc. Utiliser ces hommes pour nous attaquer. Mais heureusement, quand vous avez des hommes droits, nous sommes froids. En tout cas, ce qui me concerne, je suis froid. Moi, je ne blague pas. S'il faut que je dis, je m'en fous. Ouf. Laisse tu pleurer, tu vas machin, tout. Moi, je m'en fous. Laisse des histoires, machin, tout ça. Tu veux culpabiliser. Ouf. Ça ne change en rien. J'entends des gens dire non, par votre démarche, vous ne permettez pas à ceux qui vous suivent de vous suivre. Si vous allez nous suivre, ils nous suivraient de plus. Je suis désolé. Qui ne trouve pas des raisons pour dire qu'ils ne nous suivent pas? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc ne reste pas là à nous convaincre. Ils sont malhonnêtes. Mal intentionnés. Ils ne peuvent pas changer. Tous. C'était des prébandits, tous, autour. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont humilié un monsieur qui était sincère dans sa démarche. Pour Jean-Louis, il était sincère dans sa démarche. Mais regardez les personnes avec lesquelles il s'est entouré. Et comment ils l'ont ridiculisé. Jusqu'à son deuil. Et ça, on me dit d'avoir un sentiment. Ouf. Laisse ça. Toute âme goûtera à la mort. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Ça fait mal, la séparation. La famille est prouvée. On respecte. C'est pour ça qu'on est resté calme. Mais maintenant, pour la famille, ça nous interpelle aussi. Comment vous avez pu laisser des charognards et des vautours? Ça vous a intéressé. Donc, vous n'avez même pas aimé le défunt. Je suis désolé. Oui, je suis d'accord. Qu'il y avait un désaccord entre vous et nous. On ne doit pas venir. Oui, on ne vient pas. On est d'accord. Mais comment permettre à des vautours, à des charognards, alors que le défunt, lui, il a lutté contre eux, accepter qu'ils récupèrent ce doute, ce deuil, pour instrumentaliser, pour faire ce qu'ils ont fait. Une bande de faibles coalisés qui utilisent la notion de culpabilité, pour nous culpabiliser. Quand les faibles utilisent la notion de culpabilité pour te culpabiliser, sache que tu es fort, gars. Tu es ton cause, tu es fort. On ne fait pas ça. On ne culpabilise pas un faible. On culpabilise un fort. C'est que tu es fort. Et l'objectif, c'était de te neutraliser parce que tu es fort. Mais heureusement qu'ils ont rencontré des fous. Toi, tu es là, tu pleures. Oh, on ne dit pas ça, on ne parle pas ceci. Ouf. Nous, on dit tout. Notre roman nous est cher. Et nous sommes conscients que les Camerounais sont suspendus au premier degré de l'information. Tu dis à un Camerounais que c'est lui qui a tué, il va croire.
il n'a pas les soupapes de vérification de l'info. Donc quand toi tu dis ça, tu attends que nous, on se taise, on te regarde. Au nom de quoi? Au nom du Dieu. Ouf. On te rappelle de manière brutale les circonstances de notre désaccord. Et on te dit que prochainement, présente-nous le certificat médical. Et que même si tu as un certificat médical, ou tu n'as pas, tu glisses, on te lapide. Parce que nous, on ne tue pas. Nous sommes dans la restauration de la vérité. C'est très important. C'est très important. Frère, il ne faut pas vous amuser. Le régime que nous combattons là, ils sont prêts à tout. Vous savez ce qui se passe en prison? Bibi Moussa et Alain Fouquet. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vous donne cette info. Chaque jour, on envoie des émissaires. Chaque jour où je vous parle, on envoie des responsables, des émissaires rencontrés. Ces deux individus. On les demande de signer un avant leur disant que c'est Kamto et Mokta qui les a emballés dans cette histoire. Chaque jour, c'est conditionné par la libération et par des conditions de satisfaction de leur individualité. Tu entends ça? Les gars sont en prison. Hein? Et une privation de liberté n'est jamais une bonne chose. Tout, on peut tout vous dire. Mais priver quelqu'un de sa liberté, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Tu entends ça? Dans ces conditions, parce que ça, on veut affaiblir ces gars. Lorsqu'on les emprisonne, c'est pour les affaiblir, pour qu'ils cèdent. Et chaque jour, on sera sûr de venir avec une enveloppe, un papier. On demande à ces deux. Dites seulement que c'est Maurice Kamto et Mamadou Mokta qui vous a entraîné dans cette erreur. On vous libère. Et on vous donne les éléments pour que vous soyez à l'aise sur le plan financier. Je tiens à te rappeler que Boubi Moussa n'est pas Bamléké. Il ne le fait pas parce qu'il fait plaisir à Maurice Kamto. Mais Moumisa a embrassé un idéal, il est assis sur des convictions. Et on te dit ce qu'il répond froidement à ses émissaires. Non. Tu entends ça? Il faut être dans une autre dimension. Il répond froidement. Non. Ils ont décidé d'assumer les conséquences de leur séquestration, de leur arrestation arbitraire. Face à un idéal. Ils ont de la famille. Ils veulent retrouver femme et enfant. Les proches continuent leur combat. Mais aujourd'hui, on veut conditionner la libération. On te dit, les gars, un mois de dinosaures, ils disent non aux émissaires. Tu entends ça? Toi, tu es là. Tu es libre. Machin, tu viens de raconter des conneries. Mouf! Qu'on doit te donner une certaine position. Tu es machine. Tu entends ça. Nous, on a vu à Genève les gens de la chaîne qui ont disparu lorsqu'il fallait affronter la garde de Poibia. Mais ils sont trop forts dans des discours. Tout le monde ne peut pas affronter. Je suis d'accord. Mais à un moment, il ne faut pas bluffer le peuple. Il ne faut pas demander au peuple de faire ce que tu ne peux pas faire. Toi, tu es même dans une zone, dans des pays, où la question des droits de l'homme est respectée. Tu as peur d'affronter. Mais tu es prompt à gronder les autres de sortir au pays, alors que tu es incapable d'affronter. Ma bouche, je coupe le direct. Tu ne veux beaucoup verser. Impérial. Oui, je bloque. Ok, on bloque. Vous allez seulement me taper dans le combat-ci. Je reste droit dans mes bottes.
à nos gardes combi. Portez-vous bien. Le combat continue.